Et bon, au pire, elles connaissent ça, vous et l'entrée. Ce nombre de larves et de nymphes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nymphes déjà en formation. Alors on peut voir, je sais pas si on le voit, j'espère qu'on le voit là. Au milieu de toutes les nymphes qui sont déjà qui ont tissé, il y a des trous où il n'y a rien du tout. Ce qui n'est pas logique puisqu'elles commencent toujours par pondre au milieu du nid. Et petit à petit, voilà, donc les plus évoluées sont au milieu. Et petit à petit, voilà, les larves les plus jeunes sont sur les côtés. Et là, logiquement, au milieu, ces quatre trous là, il devrait y avoir des nymphes aussi qui ont tissé la toile, enfin pour le cocon. Et là, il n'y a rien du tout. Enfin, si elles ont repondu, et donc du coup, il y a des toutes petites larves. Ça, ce sont sûrement des larves qui sont mortes de faim quand il a plu pendant très longtemps. Malgré que les guêpes étaient nombreuses, si elles ne peuvent pas sortir, bah, elles ne peuvent rien faire. Et du coup, voilà. Ça explique sûrement l'absence de nymphes à cet endroit-là. Mais bon, pas grave, le nid aura toujours énormément d'avance par rapport aux autres. Ça, c'est clair et net. Alors, j'essaie de coincer le nid sans casser le pied. On va le mettre comme ça, peut-être. Alors, je me mets un peu hors champ, mais il faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je fais. Alors, le nid sera pas très bien fixé, mais ensuite, elles vont le refixer avec de la... Allez, tiens, hop, magnifique. Et j'ai pas assez coupé, j'aurais dû le faire avant, évidemment. Je sais pas si vous entendez un bruit d'abeille ou de bourdon qui vrombrit. Je sais pas ce qu'elle fait depuis tout à l'heure dans sa canne. C'est juste à côté du caméscope, donc vous l'entendez peut-être. On va couper encore un peu. Voilà. Allez, on va pour cette longueur-là. Allez, on y va. Hop. 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 Et hop. C'est pas assez encore. Non. Ce serait pas mal parce que ce serait près de la bite, mais j'ai peur que ce soit un peu trop près de la bite quand même. Voilà, là, c'est parfait. Donc le haut du pot est là, si je me trompe pas. Ouais. On va virer toutes les cochonneries. Hop. Voilà. Il faut bien le caler. Voilà. Donc là, logiquement, on sera pas mal. Ouais, je pense que ce sera pas mal. Essayer de remettre toutes les guêpes dessus. Alors là, c'est chaud. C'est marrant comme elles se tiennent regroupées entre elles. Ça les rassure. Ah, alors il y en a une qui est énervée. Je vais essayer de les remettre calmement sur le nid pour qu'elles y restent. Pas trop les énerver. Pas sûr qu'elle reste sur le nid, elle. Ouais. C'est ce que je craignais. Il y en a qui vont pas.
Alors, il y en a une qui est plus énervée que les autres. Au pire, je la mettrai dans le bocal. La dernière. Et voilà le travail. On va remettre tout ce monde en place. Bon, bah, je vous montrerai ce que ça donne le lendemain. Hein, on va pouvoir filmer le nid de face. Allez, je coupe. Moi, je rentre, il fait froid. Alors, on se retrouve 3 jours après, puisqu'il a plu encore pendant 2 jours, hein, pour changer. Et donc voilà, on peut voir vraiment maintenant le nid de face. Donc bon, voilà, on voyait pas très bien dans la vidéo. De nuit, forcément, le nombre d'alvéoles bouchées, mais là on peut voir qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, au moins une vingtaine, quoi, ce qui est hallucinant. Il y aura pour la première génération d'ouvrières une vingtaine qui va arriver d'un coup. Un nid plein d'avenir. Et donc voilà, maintenant on peut voir que du coup on peut observer vraiment facilement le nid de face, ce qui est quand même plus intéressant que de profil. Il aura fallu un tout petit peu de temps pour trouver l'emplacement du nid, hein, puisque le nid à la base était collé au plafond. Hein, donc, mais voilà, elles sont assez malines, donc elles le trouvent, elles l'ont retrouvé assez facilement. Voilà pour le gros nid. À suivre l'évolution et l'apparition des premières ouvrières. Alors là, on se retrouve dans le pot numéro 10, là où il y avait deux reines qui fondaient un nid, enfin deux reines qui se sont réunies pour fonder un nid, puis une troisième les a réunies, enfin en tout cas peu de temps après que j'ai déplacé les nids, enfin que j'ai exposé les nids face à la vitre. Donc en général, les reines ne rejoignent pas un nid aussi tard. Mais là, je pense que c'est une reine du gros pot au-dessus qui n'a pas aimé le changement de nid, enfin le changement de place et tout ça, ça l'a perturbé. Et du coup, bah, elle a choisi de s'installer, enfin, de se faire accepter par le nid qui était en dessous. Donc le pot numéro 10. Donc voilà, elle est passée du 7 au 10. Mais voilà, le plus intéressant, c'est ce qu'on voit, c'est qu'entre-temps, il y a eu une larve qui a tissé sa toile pour se transformer, et on peut voir qu'une deuxième s'agite juste en dessous à gauche. En fait, elle est en train de tisser elle aussi sa toile, et même on peut observer, alors je vais essayer de zoomer, voilà, je pense qu'on voit à travers la toile qui a déjà été tissée la larve qui continue encore à travailler pour épaissir l'opercule avant d'attaquer sa nymphose. Donc c'est intéressant parce que du coup on voit une opercule, je ne sais plus, qui est quasiment finie. La larve juste en dessous à gauche qui est en train de commencer à tisser sa toile. Et puis aussi on peut voir du coup toutes les autres larves qui attendent pour manger. On peut voir que le nid est pas forcément très gros, mais enfin il est quand même pas mal, mais il est bien chargé en grosses larves, hein. Donc c'est un nid qui a quand même un beau potentiel quand toutes ces larves vont donner des ouvrières.
Donc voilà pour ce nid. Et pour finir, un petit visuel du dernier nid, le nid numéro 1, si je ne me trompe pas, le pot numéro 1. Voilà, avec le petit nid et puis la reine toute seule qui fait ce qu'elle peut, hein, voilà, un petit nid modeste.